Ok, là je me suis arrêté pour manger hein, sur ce plateau, sur cette hauteur, avec le pic du Midi d'Ossau en face. Allez, on va poursuivre notre petite rando là autour du lac de Biosartigues. Allez. Le vent s'est renforcé, hein, j'ai l'impression. Pas très chaud. Allez, on va essayer de rattraper le bord du lac. Un petit sentier là. Hop. Sympa. Aïe. Bonjour. Hey. Voilà, j'ai rattrapé le bord du lac. Je pensais qu'il était plus grand, moi, ce lac de Biosartigues. J'avais dans ma vision là, j'étais gamin, enfin un gamin ado, j'étais beaucoup plus grand. Voilà. Bah, ok. Ah, il y a du monde, hein. Un petit peu de monde qui balade. Famille. Oiseau.
ça va passer là. Je pense qu'il faut que je remonte. Oh, ça a été bouillé ici. Ah là, c'est bien monté là, je suis face au vent. Le chemin du haut là, le petit pont il était là-bas là. Après, ça monte ici, puis là on rattrape le boulevard là, qui va en direction de Nayous, les lacs. Qui fait aussi le tour du Pic du Midi au saut, hein, le grand tour. Il faut bien 6-7 heures facile de rando. École de Prétragien, école de Suzon. J'avais fait ça. Déjà fait. Les deux pointes, voilà, une des deux pointes, l'autre elle est sur la droite. Voilà, l'autre pointe. Parquer le bête pétail. Voilà, en fait, on peut en faire la boucle en restant sur le sentier principal, quoi. Ouais. Bon, là, moi, j'ai fait un petit hors-piste, enfin, hors-sentier, là, pour... Et bon, au niveau du pont, là, on...
reprend en face, on monte sur le plateau et puis on rattrape ce GR quoi, et puis voilà, on en fait le tour du lac. Après ce côté-ci là, au bord du lac là, il est un peu costaud, enfin il doit se faire hein. C'est un peu abrupt. Ça redescend. Dans le vent là. Torrent aussi. Voilà, ça fait un autre bras. Ça c'est le torrent qu'on entend là qui vient se jeter aussi de l'autre versant là. Ce torrent. Puis là, celui-ci. Voilà, et après hop. Allez, on va aller voir. C'est un cul-de-sac, mais bon. Ah, il doit être assez profond quand même, mais c'est bon, là ça plonge bien en fait. Allez, à plus.